Salut à tous, c'est Vincey, c'est Raïm et c'est Julien, ça va les gars? Ça va, ça va, ça va. Il fait ultra froid, je vous le dis les gars, ça commence. Là, l'hiver arrive, l'hiver arrive. Dans cette vidéo, on va juste se lancer un défi. Il y a plein de ballons. En 10 secondes, il faut marquer le plus de buts possible. On va tourner au gardien et on va faire le maximum de frappes. Chacun aura sa technique. Je ne sais pas comment on tirera, voilà, je sais pas. En tout cas, il faut marquer le plus de buts possible. On verra qui gagne entre nous trois, qui aura marqué le plus de buts en 10 secondes. Exactement. C'est Fort Boyard ici, il y a le mec qui va tourner le truc. Non, t'as plus le temps. Ça vous dit les gars? Bah ouais, on est prêt. Pierre, feuille, ciseaux. T'as gagné, tu commences. Moi je commence du coup. Donc Julien va commencer à frapper. Bon les gars, c'est moi qui commence. 10 secondes pour mettre le plus de buts à Raïm. C'est parti. T'es prêt Julien? Oui. J'ai peur. 3, 2, 1, go. Vas-y Julien, continue. Continue. C'est chaud. 3, 2, 1, go. Ah, compte pas celle-là. Ah putain. Julien, t'as donné le maximum. Ouais. La première frappe, t'as bugué, tu t'es arrêté. C'est ça? Ouais. En fait, je sais pas. Pour moi, 10 secondes, c'est 10 minutes. Donc, je me suis dit, vas-y, je m'applique. T'as quand même fait un bon score, Raïm. Vous avez le maximum au niveau du gardien. Moi, c'était du ping-pong. Hein. Gauche, droite, gauche, droite, tu le suis. Maintenant, c'est Raïm qui va tirer, Julien qui va le gardien. Et moi qui va au but. Ok. Je vais me venger. Ah, il fait la technique déjà. Il place ses ballons. Trois, deux, un, go. C'est incroyable parce que t'as encore du temps pour tirer. Putain, c'est ouf. Par contre là t'en as mis largement moins. Ouais, ah ouais, j'en ai mis moins. Ouais. Mais en fait quand t'es gardien, quand tu vois que c'est pas à ta portée, il faut même pas regarder le tir. Parce que quand je regarde le tir, il y a un deuxième ballon que Raïm il a fait. Donc Raïm il a fait le choix de faire un technique de la mitraillette. C'est-à-dire qu'en fait il a rendu les ballons très proches et tu tirais en fait sans vraiment regarder. Sans vraiment regarder où j'allais la mettre, mais je savais qu'il fallait que j'aille vite, donc j'ai tenté. Ouais, et franchement, c'était très rapide. T'es le numéro 1 pour l'instant au niveau du score, donc je vais essayer de faire le mieux. En plus, toi, tu vas au gardien, du coup, tu vas pouvoir protéger ton propre résultat parce que c'est toi qui vas être au gardien face à moi. J'ai mis le short d'Elsi. C'est trop de pression, t'as vu. 3, 2, 1, go. Oh, joli. Oh, oui, j'ai des coups de pied. Oh, vas-y. En fait, sur l'épreuve de 10 secondes, c'est l'instant à chaque fois. Faut savoir où il est le but sans le regarder. Exactement. Ouais. Bon, bah, je crois que c'est Raïm qui a gagné. Hein. Putain, Raïm, il a sa carte, ton sœur. Il gagne le titre de 10 secondes. Goal. Bah, bien joué à toi, Raïm. Faut pas vraiment réfléchir. Faut tirer un peu à l'instinct sans regarder le but. Ouais, c'est ça. Faut jamais regarder le but. Faut savoir où il est et tirer. La mitraillette a marché. C'est voilà. La mitraillette, c'est vrai. Faut vraiment tout placer assez proche et tirer fort, tirer rapide. Il y a même pas assez de ballon pour Raïm. Ouais. Le record est à battre de Raïm. On verra si quelqu'un arrive à le battre. À très vite. C'était Vincey, Raïm et Julien, à la prochaine. Peace and game, facile, c'est mieux. Salut les gars. Peace.